Bonjour à tout le monde. Je vous salue, j'espère que vous me suivez bien là. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout est correct, s'il vous plaît? Nous allons une fois de plus nous prononcer sur... Oui, monsieur Tegem, bonsoir. Monsieur Yanga, bonsoir. Bonsoir à tout le monde et j'espère que vous serez très très nombreux tout à l'heure à écouter la vie administrative, éthique et professionnelle de l'université dans ce qu'on appelait dans le temps la grande université, l'université Yaoundé 1. Donc, je vais faire une série de déclarations fortes qui doivent être répercutées. Et je compte sur vous, je vous remercie d'être très nombreux. Excusez, je suis dans mon monde. Alain Alain, quand il dit va là-bas, tu viens dans mon direct, il dit va là-bas. Si tu sais ce que j'ai fait des milliers de gens. Parce que vous ne comprenez pas la gravité de la situation qui se passe dans ce pays. Et vous êtes là à blaguer. Pour vous, la vie, c'est une comédie. Non, on est sérieux ici, monsieur, qui vient m'insulter. Donc, vraiment, faites attention. Vous risquez de subir le sort des milliers que j'ai déjà supprimés de ma page. Parce qu'en réalité, vous comprenez que nous sacrifions. Et vous ne venez pas là-bas, vous n'êtes pas dans ma page pour venir dire n'importe quoi. Donc, faites attention. Si vous n'enlevez pas vos commentaires là, à la fin de ce direct, je vais vous supprimer de ma page, bloquer partout. Donc, cela dit, je voudrais remercier ceux qui sont déjà là et vous inviter à avancer rapidement, à vous connecter et à partager ce direct pour que les gens sachent ma position par rapport à ce qui se passe. Je voudrais expliquer d'abord ce qui se passe et l'enjeu de ça au niveau de l'université Yaoundé 1, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, parce que l'université de Yaoundé 1 dépend du ministère de l'enseignement supérieur et ils sont responsables de ce qui arrive dans les universités d'État, dans les universités en général. Donc j'interpelle tout le monde, toute la communauté nationale, internationale, sur la gravité de la situation à l'université Yaoundé 1. Je voudrais donc m'expliquer et vous présenter ma vision, ma lecture de ce qui se passe et les décisions que je serai amené à prendre. Oui, monsieur Fortin, merci. Monsieur Kouemo, bonsoir. Oui, monsieur Ezra, Jules, bonsoir. Donc, je crois que nous sommes déjà suffisamment nombreux, on va commencer. Bon, attendons quelques secondes. Je vais expliquer la situation qui prévaut à l'université Yaoundé 1 avec la prochaine annulation de mon recrutement. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer les problèmes que cela pose au niveau des principes qui gouvernent l'enseignement supérieur et au niveau de la violation de l'éthique universitaire dont je suis pourtant accusé, mais qui est le fait d'Aurélien Sosso. Aurélien Sosso, ce grabataire qui a décidé de tuer la jeunesse camerounaise et qui a heureusement rencontré quelqu'un sur sa route qui va le contraindre
soit à reculer, soit à commettre un autre, un énième infanticide qui va l'emporter. Donc, nous sommes bien, voilà, très bien, nous avons franchi le cap des 100. Je m'en vais donc vous expliquer. Vous avez tous suivi ce qui se passe. Vous avez tous vu la décision qui a été signée me concernant, qui me traduit au conseil de discipline. Je voudrais rappeler aux uns aux autres, et parce qu'il faut que vous compreniez ce qui se passe, les enjeux de tout cela. Ce qui se passe, c'est que un individu qui a déjà par deux fois bénéficié de la prorogation de la part du chef de l'État de deux ans, c'est-à-dire ça fait quatre ans qu'il est parti en retraite. Vous savez que nous partons en retraite à 65 ans, les professeurs d'université, et il a déjà été prorogé deux fois. Maintenant, il est en train de négocier une troisième prorogation. Et comme dans la mafia, comme dans la secte, comme dans une loge maudite, il décide donc de commettre un énième infanticide en espérant que les démons qu'il sert vont se charger de m'exécuter. Alors, vous savez qu'il a d'abord envoyé une demande d'information concernant mes diplômes. En demandant ce qu'on ne demande même pas à l'université, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à demander le SOP, il va jusqu'à demander mon procès verbal, qui n'est même pas parmi les pièces requises dans le recrutement. Alors, j'ai tout de suite compris l'acharnement et j'ai décidé, et je vous avais déjà promis cela, que je ne vais pas changer d'avis, que je n'apporterai aucun document. Parce que on ne... Pourquoi? C'est pas que je suis méprisant. C'est qu'on ne se plie pas aux fantaisies, aux brimades des sorciers. Parce que c'est la plus sorcellerie. Mon parcours est exemplaire. Mon parcours est traçable. Mon parcours ne souffre de... Tous mes diplômes ne souffrent de rien. Je mets quiconque au défi d'avoir quelques doutes sur ce que j'ai fait. Tout le monde sait ce que j'ai eu comme diplôme. Et je ne suis pas là pour me vanter. Donc, lorsque j'ai refusé de me plier à son chantage, il a compris que ça ne pouvait pas marcher. Vous savez, il faut que vous compreniez très bien. Parce que dans la lettre, il dit que, dans la lettre du 11, mais j'ai reçu ça le 12, il dit qu'il justifie cela parce qu'il y a une procédure d'information complémentaire relative à votre dossier de recrutement. Vous voudriez bien me faire parvenir les pièces ci-dessous, et ainsi de suite. Et il dit, conformément aux exigences d'intégrité, de probité et de transparence, exprimées dans notre politique universitaire, fortement attachée aux valeurs et principes d'assurance qualité, nous serions gré d'apporter ça dans un délai de 8 jours, et ainsi de suite. Mais il a compris que je ne vais pas apporter ces documents. Aussi a-t-il pensé que il fallait justifier à l'opinion internationale, à l'opinion nationale, qu'il le fait là, parce qu'il a quitté le terrain de la présentation des diplômes. Et là, il dit maintenant qu'il a quitté, il faut que je vous lise ce document de son chargé de la communication, qui dit qu'il le fait maintenant parce que je m'attaque aux autorités. Je m'attaque aux autorités. Il faut que je vous explique cela. Je vous présente, je vais vous lire un petit extrait de cela. Il dit que il faudrait mentionner que depuis quelque temps, Monsieur Nke, enseignant dans les machins, a entrepris une campagne de délation, diffamation, injures, calomnies et menaces dans les réseaux sociaux à l'endroit des autorités de la République et du recteur. En fait, c'est une affaire qui me concerne moi et Soso. N'associez pas les autorités. Mais il ne faut pas trouver le prétexte. Et il dit, toujours, il faudrait mentionner que l'université Yaoundé 1, sous la houlette de son recteur, est engagée dans un processus d'assainissement du fichier des ressources humaines
académiques sans lesquels ça valait la, sa visibilité et son audibilité à l'international serait compromise. Retenez bien ce mot, assainissement du fichier des ressources humaines. C'est un mot qui est très intéressant pour nous et je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais il s'avère que quelques jours après, nous sommes là le 13 au matin. Au soir, je réitère dans mes communications que je ne vais pas toujours présenter mes diplômes. Et à ma grande surprise, je dis bien à ma grande surprise, excusez, à ma grande surprise, Fabien Donc, qui n'est pas mon ami, vous me connaissez, je n'ai pas d'amis dans ces gens-là, parmi ces gens-là. Ils sont obligés de me respecter, ceux qui sont normaux. Femme de moi compris, ils doivent me respecter. Je ne suis pas là pour, je suis pas l'ami de quelqu'un. Mon rôle, c'est de dire ce que j'ai à dire dans la société. Vous savez, avant que je continue, vous devez retenir ceci. Un philosophe, c'est Diogène qui l'a dit. C'est l'espion, il le dit, je suis l'espion de votre cupidité. Je suis l'espion de ta cupidité. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir des amis dans le gouvernement. Je peux parler à tout le monde. Quand je parle, je dis qu'il y a ceci ou cela. Je ne mâche pas mes mots. Alors, surprise pour moi, je suis décidé, je fais ma guerre seul. Je ne suis pas associé à quelqu'un, à quelques clans. J'ai dit à Soussoukou, je ne fais pas la guerre contre Famille Domo. Parce que tu veux être ministre et que mon complice peut-être serait recteur, c'est pas que je m'en fous de ça. Je suis là pour dire ce que j'ai à dire. Que ça te fasse mal, le jour que Famille Domo m'énerve, je l'attaque. Je n'ai pas un ami, je n'ai même pas peur de quelqu'un. Donc, surprise donc, Famille Domo, le 14, ma grande surprise, il prend deux actes. J'étais même pas à Yaoundé, j'étais loin, j'étais dans mon petit village pour voir mes ancêtres, pour leur confier cette situation-là. Et quand à mon retour, mon téléphone n'arrête pas de sonner et on me rend compte que le ministre a pris deux décisions. D'abord, de produire une lettre circulaire à tous les chefs d'établissement et ensuite une note d'information. Il faut que vous compreniez bien ça parce que cette situation met déjà la communauté universitaire dans une situation et je ne sais pas pourquoi Biya est toujours là en train de laisser certaines choses prospérer. Famille n'est pas ça. Mais là, ce qui se passe à l'université Yaoundé 1, ça dépasse tout entendement. Ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire un type, excusez-moi de cette digression parce que il faut que vous compreniez, quand Famille Domo prend sur lui de lui rappeler que c'est lui qui délivre les autorisations. S'il y a un problème d'équivalence, c'est à lui. Et c'est comme ça qu'il dérange tous les enfants ici, tous les étudiants qui ont présenté hier. Heureusement, il doit dire aux étudiants qu'il y a eu une révolution. Moi, je dois me sacrifier pour que les gens puissent avoir une vie meilleure. Et le ministre Famille Domo a pris une décision. Il a dit que désormais, il faut aller voir. Désormais, quand tu vas étudier, il faut qu'à la première année, on commence à préparer cette équivalence-là. Pour que les gens comme les recteurs sociaux ne viennent pas vous perturber quand vous rentrez au pays. Donc désormais, les choses ne seront plus comme avant. À partir de cet incident, de ce qui s'est passé, les choses seront un peu plus facilitées. Donc, je reviens dans le ministre Jacques Famille Domo, ministre de l'enseignement supérieur, il décide donc de rappeler ça à l'ordre, de rappeler les sociaux à l'ordre. Et il prend dans son communiqué, dans sa lettre circulaire et dans sa note d'information, il prend le soin de souligner certains paragraphes qui sont en lien directement avec ce qu'on me demande à l'université, les équivalences des machins qui n'ont pas de sens. C'est même avec Famille Domo lui dit laisse l'affaire là que tu vas encore créer. On veut la paix. Tu vas provoquer encore ce type. Après, tu vas te plaindre qu'il est en train de. Tu tapes le chien, après tu te plains que le chien est en train d'aboyer. Arrête ton effort. Mais comme il ne comprend pas, comme il est dans un processus d'acharnement, de persécution, comme il sait le mal, il n'a de plaisir que lorsqu'il assène des coups, lorsqu'il tue les enfants d'autrui. Donc, après cela, il a donc compris que son affaire a échoué. Soso a compris que son affaire a échoué. Et comme j'avais dit que je ne vais pas présenter mes diplômes, on ne m'intimide pas. Surtout que je n'ai rien à craindre, je suis transparent comme une plaie. On peut tout me voir, on peut tout me lire. Alors Soso,
sachant que les carottes sont cuites, sachant que il a dit il me donne 8 jours et que je ne vais pas donner les documents pendant 8 jours, on ne m'intimide pas, je le répète. Il a donc décidé de passer à la vitesse supérieure en me traduisant au conseil de discipline. Il faut comprendre cela. Aurélien Sosso me traduit au conseil de discipline parce qu'il s'est rendu compte que je ne marche pas. Je ne marche pas dans l'intimidation. Mon rôle de penseur, de philosophe, c'est d'apprendre aux gens le courage de leur certitude. Et on ne me menace pas pour ça. Si moi je m'en prends aux vrais colonels de la République, qui sont ce qu'ils sont, mais Soso, il n'a même pas l'arme. Il n'y a que un petit gars du corps là qui peut me bousculer, je l'écrase. À plus forte raison, les petits trucs comme ça. Donc, il faut qu'ils comprennent, on ne m'intimide pas. Parce que je suis dans le vrai. Je ne suis pas dans la haine comme lui. Je suis dans le rappel des principes, dans la défense des intérêts des enseignants. Parce qu'on ne peut pas faire que, comme dans le cas de Ndok, qui était son particulier pourtant, on décide de traduire un enseignant, un collègue à parce que Soso lui a donné les coups de poing. Et il a osé se taire. Il n'a même rien fait. Il s'est seulement tué. Soso le traduit au conseil de discipline. Et lui dit que, et cela il parle d'un doc, un type vaillant, un type qui est un bon prof. Et on doit exécuter un type comme ça parce qu'il faut faire plaisir à Soso. Et il m'envoie même. Baïbek doit venir me raconter les conneries. Que ennemi, machin. Je ne suis pas dans la théorie de la révolution des sadiques. Je suis dans une défense des principes qui gouvernent cette république. On ne peut pas accepter ça. Donc, il antidate même l'affaire. Hier, je suis en pleine soutenance de mon candidat. Un huissier m'appelle, il me dit, bon, je dis, oh, viens me trouver au bureau. Il a antidaté l'affaire parce qu'il a compris que Femme Ndongo ne va pas le suivre. Il croit peut-être que Femme Ndongo ne va pas le suivre, mais peut-être que Femme Ndongo peut le suivre parce que lui, c'est tout ce qu'il dit à Femme Ndongo, il fait. Parce que Femme Ndongo a un gros défaut. Et Jacques doit le dire. Il a tué l'ami de personne. Il a un gros défaut. Il fait exactement ce que tous les fidèles font. Il copie vraiment jusqu'à la bêtise son grand frère Paul Biya. C'est-à-dire que quand tu as un problème avec un collaborateur, si c'est le patron qui va voir Biya que ce type-là va faire quelque chose, c'est ce que j'entends, hein, c'est pas si c'est vrai. Il va punir le type en bas parce que il se dit que il te fait confiance. Tu es un grand. Tu ne vas pas venir mentir. Et Femme Ndongo fait la même chose. Soso vient lui dire que j'ai harcelé une fille. Et il dit, signe ici. Femme Ndongo dit aussi, signe. Ah, je te regarde, je te fais confiance donc. Alors c'est un malhonnête. Soso c'est un malhonnête. Il m'accuse de harcèlement sexuel en 2016. C'est incroyable, même tous les listings d'appel, j'ai connaissé cette fille depuis, ça c'est une amie qu'on a convaincue seulement parce qu'on devait la mettre à l'école normale, de venir témoigner contre moi. Mais c'est lui, Aurélien Soso, qui veut violer ma femme dans son bureau. Quand il dit ma femme, il faut que les gens comprennent parce qu'ils ont mal interprété ça. Mon grand frère, il s'appelle Ignore. Vous connaissez quand même que nous sommes quand même les étonnes. La solidarité, c'est mon frère dans la tradition. Le frère d'Ignore, le petit frère des ministres, il va ici, c'est ma femme. Donc je dois la défendre. Et je vais même vous confier quelque chose ce soir. Ouvrez bien les oreilles. Ouvrez bien les oreilles. Vous allez comprendre jusqu'où je suis sérieux dans ma vie. Laissons là-bas même le bavardage sur ma suspension. Écoutez bien ce qu'il va vous dire. Lorsque l'incident de la bagarre se déclenche à l'université, en ce moment-là, Soso se bat encore pour me recruter. En envoyant Baïbek, en envoyant plein pour que je puisse rejoindre le camp de Femme Ndongo. Je lui ai dit, je m'en fous de vous, de toi et Femme Ndongo, vous m'avez puni. Je ne veux rien savoir de vos bêtises là, je m'en fous même. J'ai vu ma vie. Que Baïbek vienne démentir. Comme vous dites là que je suis dans les machins, qui vient démentir, qui veut me convaincre de faire la guerre contre Femme Ndongo. Et j'ai dit, je le connais pas. Il m'énerve même tous. Mais je ne fais pas la guerre avec lui. Lorsque la guerre se déclenche, donc, écoutez bien. Lorsque la bagarre entre Madame Soso et ma femme, professeur Mandop, qui est une collaboratrice de Soso, que Soso voulait absolument violer. Heureusement, sa femme est venue le surprendre dans sa manœuvre.
Je veux qu'il me porte plainte. Parce que le bavardeur, il veut. Alors, je n'ai pas de vigaïma. Comment dire au village? Il vigaïma. Il veut juste. Il m'écrase. Et tout le monde, personne ne dit, il ne va pas le faire. Il veut parler. Donc, quand l'affaire se déclenche, alors, je décide donc d'aller le voir. Parce que il y a des trucs qui circulent sur Internet que madame, professeur Mandop est en train de porter plainte à la femme de Soso. Je cours dans son bureau, moins que Fleurin. Vous pouvez lui demander, s'il est honnête, il va vous dire. J'ai dit, monsieur le recteur, je veux vous rencontrer, c'est urgent. Il me reçoit. Parce qu'à ce moment-là, je l'appelais avant que je le bloque par WhatsApp. Parce que quand il a commencé à insister sur son histoire de Baïbé, de femme, donc j'ai bloqué même tout le monde. Je les ai bloqués. Sauf Baïbé quand même, c'est lui-là, il est devant, il est derrière. Bon, bref. Donc, je vais le voir dans son bureau. Je lui dis, mais, grand, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas laisser ta femme, parce qu'il y a une femme qui est venue, ils ont fait les problèmes. Tu acceptes que ta femme aille devant là-bas. Est-ce que tu comprends la force de la tradition? Tu ne peux pas gérer ça comme un grand. Moi qui vous parle là, je suis passé là-bas, j'ai passé presque, je ne sais plus quel est le collaborateur qui est venu là. Les doyens attendaient dehors. On parlait de cette affaire-là, moi et Soso, dans son bureau. On parlait de cette affaire-là. C'est-à-dire, tout ce qu'il dit là, c'est, vous pouvez, s'il est honnête, mais malheureusement, il est né dans la malhonnêteté. Je lui dis, tu ne peux pas laisser que ta femme aille, parce qu'une autre femme est venue l'agresser. Par principe, tu dois défendre la voix de ta femme. Soso m'a répondu ce qu'il m'a répondu. Et c'est là où j'ai compris, je ne veux pas répéter ceci. Donc, c'est là où je comprends que vraiment, je ne comprends pas. Donc, je laisse d'abord ce côté-là. J'ai compris vraiment ce type. Je savais donc à qui j'ai affaire. Donc, l'autre chose que je voulais dire, c'est que il m'envoie donc ce que, vous savez, la décision que je vais que vous avez tous lu, mais il y a un élément que vous devez noter là-dedans. Dans sa dans sa décision, Soso lui sait déjà ce que j'encours. Soso sait que, mais c'est lui qui m'appelle chargé de cours. Hein. C'est pour vous que moi je parle, si ce n'est que Soso. Il va faire ce qu'il va faire. Il va comprendre qu'il y a des esprits. Qu'il y a des gens qui marchent là en route, mais c'est des esprits. Il dit que conformément à la loi, ainsi de suite, le code du travail, au décret visé, monsieur Nke faisant chargé de cours, encourt la rupture de contrat de travail, le lien à l'université Yaoundé 1. Je vous dis à vous tous qui êtes là que c'est un malhonnête. Et par respect même pour les institutions de la République, pour l'université que je sais, il y a des mots que je ne vais même pas utiliser. Parce que s'il faut aller utiliser les mots qui traduisent la vérité, ça devait être très compliqué. Donc, il sait déjà. Je vais vous dire quelque chose à ce sujet-là. Conseil de discipline ou pas, accord du Minesub ou pas, retenez ceci. Dans quelques jours, je viendrai vous lire un document qui dit que mon contrat a été résilié, que je ne suis plus ancien à l'université Yaoundé 1 et que je suis désormais interdit de mettre 10 mètres de pied. Et je vais lui dire à ce sujet-là que quelqu'un de nous deux aura la peau de l'autre. Écoutez bien ce que je veux dire. Et ceux qui m'écoutent. Je dis, je prends les Camerounais à témoin. Je prends même ce régime à témoin. Parce que c'est lui qui produit ce genre de monstre. Je les prends à témoin. Je prends Famille à témoin parce que c'est lui qui a tué son complice. Que dans quelques jours, il y aura un document qui va circuler. On me l'aurait déjà donné, mais je ne vais pas publier. Ça va se passer comme il a fait avec la décision de traduction au conseil de discipline. Ce document va dire
que je suis suspendu et mon contrat est résilié. Et il va dire, il va ajouter que, il va dire armée campus là, on appelle ça quoi, police campus, que j'ai interdiction de mettre pied à l'université. Et je lui dis donc ce soir que j'anticipe. Je sais ce qu'il va faire. Et même par la force, il va me tuer. Qu'il comprenne bien ça. Il va comprendre que avant d'aller à la retraite, parce qu'il va partir à la retraite par force, parce qu'il doit faire ce qu'il doit faire. Ça fait 8 ans que j'ai été recruté. J'ai fait toute mon école. Je suis orphelin. Avec ma mère, on a vendu le bois. Avec mon grand frère qui est mort à cause de cette affaire-ci. Parce qu'il n'a même plus pas pu l'aider. Qui est mort. Nous avons fait le pouce, on a poussé. J'ai fait mes champs. Parce que j'ai quitté la maison familiale. Parce que tout, comme mon père m'avait déjà chassé, il ne voulait même plus pas rester avec ma mère. J'ai fait mes champs. J'étais tout petit. Peut-être j'étais en quatrième. Je commençais déjà à louer ma maison à 1000 francs, 2000 à Obala. Je suis allé jusqu'à me battre. Je suis allé jusqu'à percer à arriver à l'université. L'université de Sherbrooke, l'université de Liège, l'université de Sherbrooke au Canada, l'université de Liège en Belgique, l'université libre de Bruxelles, parce que j'étais à l'université de Bruxelles aussi. C'est que les gens savent quoi. Ils peuvent vérifier. J'ai fait un doctorat là-bas que je n'ai pas encore terminé jusqu'à présent. Bon, je ne suis même pas sûr que je veux le terminer. En sciences de l'information et de la communication. Donc, je me suis battu comme ça. Au Canada, j'ai combattu les ours. L'ours, ce n'est pas plus fort que les ours. J'ai tué les vipères. Je me suis battu pour arriver là où je me suis battu. Personne ne va m'arrêter. Je peux lui dire, je suis entré déjà dans l'histoire. Pas mes bêtises peut-être, comme lui congé sur mes bêtises, mais parce que j'ai fait mon travail. Je vais le pousser à faire ce qu'il doit faire. Qu'il retienne bien ceci, je l'ai bien dit. Et à ce sujet, je profite pour répondre aux chefs qui m'ont interpellé en son nom. Bien au nom de qui, je ne sais pas. Ils m'ont envoyé ceci. Je profite pour leur répondre ici et maintenant. Voilà un frère de la et un fils de la Léqué risque symboliquement de perdre. Il faut qu'un Ké sache désormais garder sa langue dans sa poche. Moi, je suggère modestement qu'une négociation soit engagée avec le recteur Aurélien Sosso s'il ne se fait pas tard pour tenter de calmer sa colère. Et je souhaite qu'un Ké lui présente des excuses et s'engage par écrit à respecter le code éthique et déontologie de l'université. Qui est en colère? Vous êtes les blagueurs, hein, vous les chefs. Je croyais que quand on dit chef, et ça je répète que c'est les chefs de chez moi là. Les chefs, ce n'est pas les chefs de troisième degré, c'est les chefs supérieurs qui m'écrivent ça. Pas les chefs, les autres qui m'ont toujours même trahi. Je vous réponds, non, je n'ai même pas besoin de vous répondre. Je vous ai pas répondu. Je vous réponds ici maintenant. Que ça fait 8 ans. Vous ne voyez pas ce que j'ai subi, ce que j'endure. Ça fait 8 ans que ma famille est en l'air. Je vous dis donc que vous allez venir m'enterrer. Comme la comédie, si c'était chez mes frères Bamileke, ça n'allait jamais arriver. Vous êtes là, vous êtes les petits, vous êtes là, il faut que vous viviez. Il faut dire ça maintenant aussi. Je vais parler à ma communauté Etoun dimanche. Mais quoi les mini Etoun? Mais quoi les ennemis Etoun? La vérité. Parce que je me rends compte qu'il y a une petite manipulation des petits chefs là qui d'abord organise une réunion avec moi la veille de mon passage à Canal 2 pour me convaincre qu'il faut que je dise que c'est Franck Biya. Mais vous êtes qui pour me contraindre à prendre un camp? Mais j'ai été formé à être au-dessus des convenances traditionnelles. Je dois voir le pays tel qu'il est. Et du fond de mon âme, dire ce que je peux dire qui soit utile à la communauté entière. Même si ça peut choquer certaines personnes, mais c'est la lumière que ma formation me permet de braquer sur la société que nous avons, où nous vivons. Donc,
Sova ma, tu, Sova va me, vous, vous aider à m'enterrer. Vous et vous, vous, vous les soutiens de Franck Biya et autres. Donc, ça c'était pour dire que il y a deux choses que je devais aussi ajouter. C'est que, excusez-moi, c'est, quand on me dit que c'est Soso qui est en colère, je ne sais pas. Je ne sais pas comment les gens perçoivent les choses. Donc, les chefs ne verraient même plus parce que je peux même donner un mot à quelqu'un qui ne lui est pas agressé. Donc, vraiment, il faut vous respecter. Vous, les chefs, là. Donc, je voulais donc ajouter deux choses. Soso, au lieu de jeter l'éponge, a décidé de passer à la vitesse supérieure. À ma traduction au conseil de discipline. Mais il doit dire quand même deux choses par rapport à ça. D'abord, le fait que lui, il s'auto-saisisse de l'affaire. Il donne les motifs. Diffamation, injure, langage ordurier, outrage à autorité, menace de mort. Toutes constituent d'une atteinte grave à l'éthique et à la déontologie universelle et à l'honorabilité de la fonction publique. Il y a le droit administratif, il y a le droit pénal. Je me suis quand même renseigné. Ça, c'est les délits de droit commun. C'est le pénal. C'est le pénal. Donc, de quel droit, par quelle alchimie, par quelle sorcellerie, Soso décide maintenant que lui va me juger parce que j'ai calomnié quelqu'un, parce que j'ai diffamé quelqu'un, parce que j'ai tenu un langage ordurier. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un langage ordurier. Je ne sais pas si j'ai même écouté. C'est un malhonnête. Vous savez pourquoi je dis qu'il est malhonnête? Malhonnête, ce n'est même pas une insulte. Parce que si on dit, par rapport à Soso, il faut trouver un autre mot qui n'existe pas encore. Donc, il vous dit, pour moi, quand il dit malhonnête, par rapport à Soso, c'est un petit mot. C'est comme même... C'est comme si je lui faisais des éloges. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que il a quand même eu l'histoire. Il sait comment Marx s'exprimait quand il est en colère. Comment Voltaire s'exprimait. Comment Nizan s'exprimait. Comment Sartre s'exprimait. Lorsque la société, l'avenir du pays est menacé. Il me dit que j'ai un langage ordurier et je menace de mort. Menace de mort. Lui, là, les gendarmes, moi, je n'ai rien. J'ai le menace de mort comment? Mais est-ce que c'est lui dans la justice pour dire que machin? Non, il a décidé donc de cela. Mais c'est comme si, je ne comprends pas. C'est comme si, vous savez, c'est une affaire entre moi et Soso. C'est ce qui se passe là. C'est la guerre entre moi et Soso. C'est comme si, c'est à peu près ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Moi, c'est la Russie. Soso, c'est l'Ukraine. Mais même si c'est moi la Russie, le plus fort, je ne peux pas me permettre de dire maintenant que hey, Zelensky, viens ici, viens la soirée ici, je vais te juger. Qui doit juger l'autre? Si ça avait été le cas, jamais Babo ne serait jamais sorti de prison, puisque si c'était Ouattara qui le jugeait, il n'allait jamais sortir de prison, je vous assure. Ouattara allait toujours trouver le motif. Qu'il est sorcier, il a osé même me regarder dans les yeux. Il va tuer. Donc, moi, Poutine, je ne peux pas dire à Zelensky, Soso, que viens d'asseoir. Donc, de quel droit lui vient de me dire que viens d'asseoir? Alors, nous sommes en guerre. On se donne les coups. Lui, maintenant, je lui donne mes coups. Lui me donne les coups. Ça fait déjà 8 ans qu'il me donne les coups. Ça fait déjà tout ce temps-là que je ne vis pas. Mais lui, maintenant, il dit qu'il veut me juger. Ok. C'est le monde à l'envers. Il est juge. Donc, fais ce qu'il veut faire. Va tout droit. Qu'il aille jusqu'au bout, Soso. Va jusqu'au bout de ta logique. Va jusqu'au bout de ta logique. Tu as dit que tu vas me chasser de l'université. Et je sais que la semaine prochaine, j'aurai un document qui dit que tu me chasses. Soit tu vas faire signer ça par la famille de mon compte. Comme pour toi, c'est une lettre à la poste. Donc, on transfère seulement. Je suis même surpris que Femme de Wondi, que maintenant que non, l'affaire là, je ne sais pas, peut-être le jour là n'était pas normal. Il faut que ça soit normal comme d'habitude. Que tout ce que tu lui dis, il accepte. Parce que tu es son collaborateur et que les petits gens comme nous là, on ne compte pas. Ou bien c'est lui qui va signer ou bien c'est quelqu'un d'autre. C'est votre problème là-bas. Mais je te dis, quand tu vas signer ça, quand tu vas faire signer ça, ce ne sera pas un problème avec Femme de Wondi. Tu ne vas pas me faire changer ma trajectoire. Mon problème c'est avec toi. Même ces femmes donc ici, je vais lui régler ses comptes après. Mais toi et moi, peut-être même dans la tombe, mais toi et moi, on va d'abord faire ça.
Parce que ce n'est pas une affaire qui concerne l'université. C'est une affaire qui concerne un individu qui a décidé de me tuer. Et je dois me défendre. Vous savez, ça pose un problème sérieux aussi parce que les gens ont dit que non. Il y a un vide juridique parce que les textes de l'université font que le président du conseil de discipline, c'est toujours le recteur. Donc il y a un problème parce que le juge est parti dans le cas d'espèce. Ça a été toujours le cas, même avec lorsqu'il avait suspendu Baïbec. Ça avait été le cas. Mais il y a un problème qui se pose. C'est que quand on faisait les textes, les gens qui ont conçu ces textes n'avaient pas prévu la situation-ci. Et ceux qui ont conçu les textes, et vous savez que c'est Bia qui avait impulsé cela, parce qu'il a travaillé avec nous, les universités, il sait un peu comment les gars fonctionnent. C'est du cynisme pour certains. Et il a dit que non, il faut qu'on conserve telle sorte que les sanctions soient évolutives. Et j'avais déjà dit ça dans une émission télé, que Bia, vraiment, il a tout gâté. Mais la seule chose qu'il avait faite est un peu de bon, à mon avis, hein. C'est l'affaire qu'il a conçu de bons textes pour l'université. Donc, le texte est bon. Parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'un recteur... Un recteur, c'est-à-dire quelque chose qui est si grand. C'est-à-dire on imagine que recteur, c'est-à-dire la rectitude. La rectitude. On ne s'imaginait même pas qu'un grand recteur va quitter de son gros travail là-bas, en haut là-bas. Qu'il gouverne la pensée. Il instruit pour la recherche. Il invente le futur. Il quitte là-bas, loin. Il saute, professeur titulaire. Il saute, il va en bas, maître de conférence. Il saute encore, il va charger de cours. Il saute encore, assistant. Il vient chercher les problèmes à un assistant. C'est-à-dire que tout le monde pouvait imaginer ça. Ceux qui ont écrit les textes là. Mais ils ne pouvaient pas s'imaginer que ça pouvait arriver. Mais, voilà. Donc, ce n'est pas la faute au texte. Vous savez, c'est comme si vous imaginez que le ministre de la fonction publique décide maintenant que non, je juge mon collaborateur. C'est pas comme ça. Vous savez que dans la fonction publique, un fonctionnaire, quel que soit l'endroit où il travaille, il est jugé par un seul. C'est-à-dire que les fonctionnaires de la justice, les fonctionnaires de l'éducation, les fonctionnaires d'importe quel corps, il doit être le tourisme, tout ce qu'on veut, le sport. Quand tu es fonctionnaire, il y a une seule institution qui te juge. C'est le conseil qui est logé à la fonction publique. Parce que on s'imagine qu'un ministre, si on mettait le conseil de discipline de la fonction publique dans les ministères, on dit c'est une perte. Un ministre, imagine la charge. Si tu veux vraiment travailler, mais Soso, son rôle, c'est tuer les enfants d'autrui. Soso, son rôle, c'est boire le sang. Boire notre sang, notre souffrance pendant des années. C'est son rôle qui s'est donné. Il ne s'occupe pas de faire connaissance. J'ai vu, avait déjà proposé des projets, moi, pour la numérisation, pour la digitalisation, tout ça. Il a ces projets-là. Et je me rappelle même que Pondy avait eu une copie, il m'a dit la dernière fois, pour me mentir, qu'il a donné la copie à Pondy. Que j'aille voir Pondy. Quand il va voir Pondy, Pondy me dit qu'il faut attendre, il va le faire. Donc, on ne s'imagine pas qu'un type part de là-bas pour venir créer les problèmes à un petit type comme moi. Ça, c'est comme si on imaginait Paul Biya aller faire la bagarre avec Atuka. Vous connaissez Atuka? Atuka, c'est un buveur de Dontol de chez moi, Mikam. Bon, père à son âme, je crois qu'il est mort. Il buvait trop le Dontol. Donc, on s'imagine que Paul Biya quitte à étudier. Il vient là, courir. Il va chercher la bagarre avec Atuka. Vous imaginez des choses comme ça, c'est exactement ce que le Soso en train de faire. Il vient chercher la bagarre avec un fou. Moi, tu me parles quoi que tu me racontes une histoire qui n'a pas de sens, alors que je vois quelque chose qui est vrai. Tu vois que je vais faire les choses que les administrateurs font, pardon monsieur, patron, machin. Je ne suis pas dans, je suis un philosophe. Je suis le principe de la rectitude. Donc, monsieur Zelensky, vous n'allez pas me juger. Vous ne pouvez pas rapetisser la fonction, une si haute fonction. Ils m'énervent même presque tous. Mais sauf, il y a un autre là qui est à Douala, même comme il m'énerve, parce qu'il s'est attaqué à mon ami, professeur Wougen, Fotso.
Heureusement, je crois qu'il va se calmer. Parce que mon ami a pris ma place. C'est moi qui devais être secrétaire général de quoi là. Leur histoire là. Le SINES, voilà. C'est moi qui devais être le SG. Donc, elle a pris ma place. Donc, j'espère qu'il va la laisser tranquille maintenant. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que ils peuvent bien énerver tous, mais certains se démarquent quand même. Regardez ce que Magloire Ndoua a fait dernièrement. Le gars, il arrive à Douala, il va partout, il crée déjà, il défriche, il construit, il fait des immeubles, donc tout le monde voit. Il n'est pas venu chercher les poux à un petit chargé de coups. D'abord, je demande encore assistant. Un petit assistant, il va se ramper là, il va gâter la fonction. Ça veut dire que je peux même être plus respectable que lui. Il peut même être un grand recteur. Je ne sais pas pourquoi Bia ne me nomme même pas recteur. Il saute même tout ça, il ne me même pas chez le doyen. Il ne me même pas chez le département. Il me donne pas recteur. Même si comme recteur, ça ne me dit rien. Recteur, puis. Si on doit me dire, fais la recherche. Voilà un institut. Fais-nous la recherche, une vraie recherche, on peut comprendre. Bon, cela dit, je veux juste dire que voilà un type qui se démarque quand même. Magloire Ndoua, qui m'énerve tout souvent. Mais au moins, on voit qu'il fait quelque chose, il travaille. Je crois que Famille Ndoua doit lui donner même 10 000. Parce que là, quand même, c'est l'honneur de, quand même, de l'enseignement supérieur. Quand on voit quand même une évolution comme ça, il faut que si je parlais à Famille Ndoua, j'allais dire, mais tu ne vois pas le type qui a Ndoua là. Tu as tout l'argent du ministère, donne-lui quand même même 10 000. Pour lui dire quand même, tu fais honneur quand même. À la corporation. Donc, je voulais vous dire aussi, pour terminer, deux choses. Soso me cherche les poux sur la tête. Et lui-même, il a des poux partout sur lui. Ma tête, c'est la calvitie. Vous-même, vous pouvez tous voir. Quelqu'un me demande on doit donner combien à Magloire Ndoua? Attends, il mérite combien? Non, comme c'est, eux sont seulement au niveau des millions ou bien des milliards. Non, on ne peut pas lui donner un milliard pour rien. On lui donne même 5 millions. Que vraiment, organise une petite fête. Tu bois quand même quelque chose, tu manges quelque chose. Parce que quand tu travailles comme ça, tu n'as même pas le temps de manger. On donne même 5 millions là. Il faut dire ça à la famille. Donc. Comme il ne peut pas me donner, va quel life me donner il a dit là que comme tu as déjà dit là, ça veut dire que tu veux ta part. Et puis s'il me donne, je ne prends pas. Ouais, je savais que même si c'est du euphorie. Bon, alors, moi j'ai la calvitie, mais Famille Ndongo, Soso a les poux partout, il a les puces partout. Je vais vous dire quelque chose en ce qui concerne la situation de Famille Ndongo. Il dit que les gens sont dans l'éthique. Il dit que il veut assainir le fichier. Quand il a dit d'abord en 2016, quand il nous a suspendu avec Baïbek, il nous a suspendu. On n'a pas vu comment le fichier. Il n'y a pas eu d'autres suspensions après. L'autre jour, en 2021, il a suspendu Ndok, son particulier. Suspendu contre la vie. En fait, en violant tous les textes. Parce qu'il doit vous dire, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Il a convoqué ici un ensemble de textes. Le décret portant statut spécial des personnels de l'enseignement supérieur, modifié, ainsi de suite. Le décret portant dispositions communes aux universités, modifié et complété. Ces textes-ci sont très clairs. Ces textes sont clairs. Ça va de l'avertissement, du blâme, ainsi de suite, déplacement de fils dans un poste de bâtiment. Ça, la première série de sanctions, ça concerne la personne qui est capable de donner ces sanctions-là, c'est le recteur. Maintenant, il y a un autre ensemble de choses qu'on doit prévoir. C'est-à-dire que, par exemple, le rabaissement. À partir de la cinquième ou bien la cinquième ou bien la sixième, dans les deux textes, parce que les deux textes sont complémentaires,
on doit, le ministre a donc la responsabilité soit de suspendre, soit de refuser pendant un an, peut-être, je ne sais pas combien de temps, d'être inscrit au niveau de la liste d'aptitude, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et plus tard, il peut donc suspendre, le ministre peut donc suspendre. Mais ce que Sosoa a fait dernièrement, dans le cas de Ndok Ndok, je vais vous lire l'affaire, pour que vous compreniez jusqu'où ce gars est méchant. Jusqu'où il se croit déjà ministre. La décision de Ndok Ndok, il faut que je vous la lise, pour que vous compreniez que je ne raconte pas des inepties. Voilà la décision de M. Ndok Ndok. C'est une décision 22, ainsi de suite, du 22 février 2022, portant suspension temporaire des fonctions au titre des mesures conservatoires de M. Ndok Ndok Gaston, chargé de cours, chef de service, machin. Il décide l'application des dispositions de l'article, ainsi de suite, l'enseignement secondaire. Monsieur Ndok Ndok Gaston, chargé de cours, chef de service des programmes et des diplômes à la direction des affaires académiques et de la coopération de l'Université de Yaoundé 1, est suspendu de ses fonctions. Ça, c'est du ressort exclusif du ministre de l'Enseignement supérieur. C'est lui seul qui peut suspendre un ancien. Mais ce quoi déjà, ministre, et il s'est autorisé à suspendre les gens. Il parlait d'assainissement. Depuis qu'il a suspendu, donc on n'a plus vu l'assainissement. Depuis qu'il s'est attaqué à la femme qu'il voulait violer, professeur Mandop, il n'y a pas. On ne voit pas l'assainissement après. Vous allez voir, quand il va me suspendre la semaine prochaine, il n'y aura pas d'assainissement. Or, lui, son propre fils, et là, il faut que vous compreniez bien, je vais terminer par là. Son propre fils. Et que le petit m'excuse parce que moi je n'ai rien contre lui. Même sa mère, madame Soussou, je n'ai rien contre vous. Hein. Moi, c'est que votre mari et votre père, il perd la tête. Ce qui se passe donc, effectivement, voilà, je vais chercher le nom du bonhomme. Le bonhomme s'appelle. Excusez. Excusez. Voilà. Je cherche le nom parce que parfois j'oublie son nom. Voilà. Il s'appelle Soso Fritz Oscar Makembe. Et je vous dis, quand je convoque ce nom-là, ce n'est pas pour que vous alliez faire du mal aux gens. Hein. Bon, je vous connais là, vous les universitaires là. Parfois vous êtes trop cyniques. Quand quelque chose vous choque, vous mettez toutes les batteries de la haine en marche, de la sorcellerie en marche. Donc laissez l'enfant le tuer tranquille. Je ne dis pas ça pour aller le persécuter, non. Je le dis parce que c'est dommage que ce soit son père qui fasse ces choses. Donc, il est titulaire d'une licence en biologie. J'ai noté ça. Titulaire d'une licence en biologie. Bah, moi, j'ai fait mes recherches. Et d'ailleurs, c'est partout aussi en ligne. Hein. Depuis des années, tout le monde n'est pas faux. Il est titulaire d'une licence en biologie et d'un master professionnel en sciences de la santé avec mention passable. Vous savez ce que c'est passable? Passable, ça peut mettre 11. Hein. Lui, son passable, c'est 10 sur 20. 10. C'est-à-dire qu'on a failli le faire. En fait, il a échoué, en fait. Mais on a dit non, quand même, comme c'est le fils de l'autre, on fait semblant. Donc, vous voyez, sans respect pour les textes, lui qui est le champion de l'éthique, sans respect pour les textes, le bonhomme, il l'inscrit. Ah là 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 là. En thèse de doctorat en sciences de l'information, en sciences informatiques. Et il le recrute au grade d'assistant. Son père. Vous imaginez ça? Son père, il est, les textes disent qu'il ne faut jamais recruter un type en master professionnel, en thèse de recherche. Mais Soso le fait. Allez vérifier, il le fait. Et plus grave encore, il a nommé directeur du centre de l'Université de technologie et de l'information. C'est-à-dire que il peut quand même me nommer, n'est-ce pas? Je connais un peu la recherche quand même, je sais comment organiser les choses. Mais comment il veut tuer l'université?
il nomme son fils qui ne comprend rien à l'informatique. Pourquoi je dis ça, qu'il ne comprend rien à l'informatique? Parce que depuis 11 ans, il n'a jamais réussi à produire même un projet de thèse. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas soutenu une thèse. Il n'a même pas refait un projet de thèse. Alors que les textes disent que c'est 8 ans. Voilà un type qui dit qu'il est champion de l'éthique, l'assainissement, machin, machin. Et la honte. Ça veut dire que. Non, je t'attends, Soso. Je t'attends. C'est... Je vais voir ça. Je vais voir que tu dis que tu n'entres pas à l'université par force. Parce que tu vas violer la loi. Et ton fils est là. Ton fils est directeur. Il n'a pas le BPC. Il n'a même pas. J'allais dire que non, il a le BPC. Je ne sais pas si toi tu as le BPC même, je ne sais pas. C'est parce que quelqu'un m'a dit que dans mes recherches, quelqu'un m'a dit que tu n'as même pas le BPC. Que tu as changé l'âge, tu as fait le jugement. Soso a fait le jugement. Les gens aussi exagèrent. Comment il n'a pas le BPC? Mais les gens parfois disent des choses. Tu crois que c'est bête? Le peuple n'est pas bête. Hein. Quand Bachelard disait là que le peuple, l'opinion pense mal, machin. L'opinion, quand elle commence à dire des choses, on dit que Soso n'a pas le BPC. Bon, ça ne me concerne même pas. Moi, j'ai mon BPC, j'ai mon SAP, j'ai mon probatoire, j'ai tous mes trucs. Donc, le bonhomme dont nomme son fils directeur. Donc, dans son affaire, il ne peut pas s'occuper de l'éthique chez son fils. Et le deuxième cas, c'est le cas de sa femme. Le nom. Nkolo Asse, Patience, Ginette, épouse Soso. Elle est mère de conférence chez Leka et Somba. En sociologie. Elle est maître de conférence chez Leka et Somba. Je ne sais pas pourquoi c'est seulement chez Leka et Somba. Il faut qu'il fasse des recherches. Ça dit, c'est une sorte de. C'est la folie. Parce que elle est titulaire d'une licence en droit privé. Bon, apparemment, elle a une licence en droit privé. Écoutez bien l'affaire. Hein. En droit privé des affaires. Après, elle a un doctorat en droit privé. On a un DA. Parce que dans le temps, à notre époque, comme on dit souvent, il y avait la maîtrise, le DA. Donc, elle a une licence en droit privé. Et un DA. En droit privé des affaires. Elle a quitté le droit. On ne sait pas pourquoi. Broup, elle part au Maroc faire le doctorat en sciences politiques. Bon, sûrement parce que c'est plus facile. Droit privé, tu vas voir les conventions. C'est trop compliqué. Moi, je te soutiens, ma mère. C'est plus facile. Donc, elle est partie faire un PhD en sciences politiques. Et comme c'était compliqué avec son parcours chaotique là, on ne pouvait pas la recruter à l'université le soir, quand même, ils se battent encore là-bas. Il y avait encore des gens un peu normaux là-bas. Donc, Soso dit que non, toi, tu ne peux pas rester à la maison. Je viole les textes, je viole l'éthique. L'éthique, il dit là qu'il provoque l'assainissement là. Elle est directement recrutée en sciences de l'éducation, à l'école normale. Et elle passe chargée de cours en sciences de l'éducation. Mais, groupe. Subitement, on l'aperçoit en sociologie au bureau de Leka et Somba. Leka et Somba, tu faisais quoi avec la femme de Soso là-bas? Moi, je vais te soupçonner. Bon, dans tous les cas, après cette rencontre, elle a reçu sa maîtrise en conférence, sa maîtrise de conférence en sociologie. Bon, elle t'a convaincu, c'est sûr. Puisque toi, tu ne peux pas laisser les choses comme ça passer pour rien. Bon, j'imagine que tout était clair à ton niveau. Ah, franchement, vous voyez donc, quand Soso, vous me provoquez là, vous voyez, ça me dégoûte. C'est-à-dire que les gens qui doivent avoir, ils doivent même marcher la queue entre les jambes. Ils sont là les premiers à bavarder beaucoup. C'est-à-dire que c'est incroyable ce pays. Incroyable. Donc, nous faisons nos études. Et il nous parle d'assainissement. Et on voit que c'est une sorte d'assainissement à tête chercheuse. Qui va accepter ça? Qui va t'accepter ça, Soso? Même Biya qui vous soutient là dans vos bêtises là, il ne dit rien. Mais qui va accepter ça? Qui va accepter que tu as tué un enfant de truie symboliquement et physiquement parce qu'il a dit qu'il va entrer dans son bureau? Parce que ce n'est pas ton bureau. Parce que c'est la Cour suprême qui m'a donné ce bureau. Parce que vous m'avez sanctionné. Toi et le ministre de l'État, tu l'as induit en erreur. Comme tu as induit en erreur, et Yébé, ici, en allant prendre
un terrain où il y a un immeuble et tu vas mentir à Soso, à Yéba ici, qu'il n'y a rien sur ce terrain-là. Alors qu'il y a l'immeuble sur ce terrain-là, tu payes seulement un petit argent. Parce que tu es seulement radin, que tu ne peux même pas payer l'État. Le liquidateur va venir prendre cette maison-là. Je te dis, le liquidateur de Régis Fekam, tu veux que je donne les détails, bah, moi j'ai fait les recherches. C'est pourquoi tu ne peux pas m'amener au pénal. Tu ne peux pas m'amener au pénal parce que j'ai les preuves, monsieur. Je ne parle pas en l'air. Que les gens qui viennent bavarder dans ma page là sachent que Fridolin ne parle pas en l'air. Il ne fait pas de combine avec les grands. Et il ne parle pas en l'air. Je vais sortir sa vroupe. Donc amène-moi. Il y aura même des témoins, tu ne peux pas t'imaginer. Et il y a des dossiers qui vont sortir après que tu m'auras sanctionné la semaine prochaine. Il s'est dit, il y aura des dossiers qui vont sortir. Donc, je voulais donc vous expliquer tout ça pour que vous compreniez que Soso est une honte pour la corporation. Et le fait que le président de la République le maintienne là est conflictogène. Et ce n'est pas nous qui donnons les ordres au président. On est qui? On est rien. Mais on lui dit que ce qui va arriver à l'université, on est un. Ce qui va arriver à l'enseignement supérieur avec des gens comme Soso qui veut maintenant amener famille, on lui dit laisse ce type là, quitte, va loin avec ton affaire. Il fait amener ça chez famille. Donc famille, c'est pas mon ami, hein, moi je m'en fous, hein, mais il veut amener. Je vois parce que je suis objectif, je sais être objectif. Les gens m'ont dit là que j'ai pris le parti famille. Donc j'étais surpris quand j'ai vu que le 14 il a pris sur lui de faire deux notes pour clarifier la situation. En fait, pour lui dire de manière subtile qu'il ne peut pas être produit ce qu'il dit là en 8 jours. Donc, tu le laisses tranquille. Maintenant, il veut amener ça à Kounia, qu'il veut la tête de famille Ndongo. Bah, c'est la tête de famille Ndongo qu'il cherche là. Famille Ndongo avec qui il n'a rien à voir. Parce que, comme c'est un sorcier, Soso, comme tu es sorcier, tu vas amener quelqu'un, dans ta mort, tu vas amener quelqu'un, va en retraite, c'est parce que tu fais encore là-bas. Tu as peur de quoi? On tue les gens. Attends. Tu as peur de la retraite, il y a quoi? Tu vas là-bas, tu bois le vin, non? Tu juges les affaires. Tu veux me juger encore pourquoi? Tu as déjà vu qui dans ce pays, quel responsable traduit au conseil de discipline un même individu pendant sa carrière deux fois en moins de 8 ans, 2016 et aujourd'hui encore 2023, c'est la même chose. Ça fait 8 ans que ça dure. Donc arrête. Si tu ne peux pas arrêter, tu vas assumer. Je te répète, je ne vais pas te donner mes diplômes. Deux, parce que c'est pas toi. Ce n'est pas une commission qui m'appelle pour dire que on regarde dans toute. Dans toutes les gens qui ont parmi tous les gens qui ont fait les études à l'étranger là, s'il y a des soucis là, si c'est une commission comme ça, je couche le premier même qu'on va auditionner, dont on va vérifier les paperasses. Donc un, je ne vais pas donner mes papiers parce que tu es indigne que je te les remette. Deux, tu vas aller jusqu'au bout de ta logique et tu vas assumer toutes les conséquences. Ce n'est pas famille donc, c'est toi qui vas assumer tout ce qui va venir. Je te répète, tu vas assumer tout ce qui va venir. C'est pas une menace, ou bien c'est une menace, c'est ton petit problème. Mais je dis, là où je suis là, là où je me suis battu pour arriver là où je suis, là où je vois ma famille qui est là, mon frère qui est enterré, ma mère qui est presque morte de chagrin, mes soeurs qui sont complètement tétanisées. Tu viens faire le cinéma, je veux faire là. Toi ou moi, quelqu'un va partir.